bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo que vous préférez de la semaine, c'est le journal créatif. Alors nous sommes au numéro 29, voilà déjà 29 semaines que je fais le journal créatif. Alors pour rappeler ou pour dire ce que c'est cette vidéo pour les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue. Le journal créatif, c'est une récap de tout ce que j'ai fait dans la semaine au niveau broderie, tricot, crochet, diamond painting, il peut y avoir de temps en temps du coloriage, voilà. Donc tout ce que je peux faire dans la semaine, je vous le montre aujourd'hui. Donc au moment où vous regardez la vidéo, nous sommes dimanche. Moi au moment où je la filme, on est samedi soir. Beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses, mais il y a des choses que j'ai pas faites, voilà. Mais ça c'est pas très grave. Première chose, alors comme vous avez, on va parler pour démarrer du diamond painting. Alors le diamond painting, vous avez pu voir que je ne vous ai pas fait de vidéo de préparation, j'ai rien fait. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je n'ai pas fait de DP. Enfin, j'avais dit que j'allais peut-être faire un DIY, mais bon, pas eu le temps. Donc, niveau diamond painting, ben, j'ai rien fait de la semaine. Mais, alors, hop, faut que je change le scotch parce que ça ne tient pas. J'ai sorti donc un nouveau DP puisque la fois dernière, j'avais terminé... la fée clochette, et là j'ai ressorti donc un nouveau DP que je vais commencer cette semaine. Alors je vais attendre que vous me donniez, alors, on va faire comme d'habitude, il y a 16 cases et vous allez me donner, bon, vous allez me donner 3 numéros, si j'ai le temps d'en faire 3 j'en ferai 3, sinon j'en ferai tout au moins 2, voilà. Donc moi je regarderai d'ici mercredi les numéros que vous avez choisis et comme ça, ça me donnera le temps jusqu'à samedi pour faire les cases que vous avez choisies. Cette fois-ci, j'ai corsé un peu la chose. Non, c'est pas un DP noir. Non. Alors là, par contre, vous n'allez peut-être pas bien voir les numéros, mais je vous remettrai la photo. Voilà. Je me la suis fait en DP mystère. Voilà. Bon, moi, je sais ce qu'il y a, bien sûr. Mais vous, vous ne le savez pas. J'ai même caché la vignette. Comme ça, pas de triche. Donc... vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a derrière cette feuille noire. Voilà. Et derrière la feuille noire, j'ai mis une feuille de papier cuisson, bien sûr, parce que sinon, il y aurait des problèmes avec la colle. Donc, je vais vous laisser choisir 3 cases. Voilà. Je ne vous donne aucun... je ne dis pas du tout, je ne donne pas d'indice, rien. Voilà. Vous verrez au fur et à mesure ce que c'est. Alors, j'ai fait donc 16 cases. Oui, il faudra que je mette des étiquettes la prochaine fois. On verra mieux, je pense. Donc, je dois avoir un stylo blanc, je crois. J'écrirai au stylo blanc, mais c'est pas grave. Donc, bah, je vous laisse choisir. Voilà. Parce que, bon, j'ai vu... enfin, je vous connais. C'est vrai que quand vous voyez l'image, tout de suite, vous choisissez le milieu. Et là, j'ai dit, bah, comme ça, en cachant l'image, bah, vous ne saurez pas tout de suite ce qu'il y a. Voilà. Bon, j'espère que ça vous amuse, hein, que j'ai fait comme ça. Moi, oui, ça m'amuse.
Je vais profiter en même temps pour vous montrer, donc je vous en mets un de chaque côté. Ça, ce sont les DP que Chouchou a fait cette semaine. Voilà. Là, à l'heure où je vous parle, je ne sais plus si je vais vous en mettre deux ou plus. Parce que le Speedy Gonzales du Diamond Painting, c'est Chouchou. voilà, donc ça, ce sont les derniers DP qu'il a fait cette semaine et certainement début de semaine prochaine, dernière, je vais vous mettre, je ne sais plus, je sais plus, mais enfin vous verrez bien. Donc voilà. Maintenant, alors je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. J'ai quand même des petites choses à vous montrer. Mais comme je n'ai pas pu tout faire, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais bon, on verra bien. Donc là, je vous ai montré le DP, mais je ne vous ai pas dit ce que j'avais prévu de faire cette semaine. Donc on va le faire maintenant. Le DP, de toute façon, il n'y en avait pas à faire. Voilà. Alors cette semaine, j'avais prévu de faire en broderie le dragon White Book, la grenouille de Sabine, mes hérons bleus de chez La Natte, mon All Forest, non, pas le All Forest, puisque j'étais à jour, j'avais fait même plus que 1000 points ce mois-ci, donc celui-là est mis de côté. Le All Forest, c'est le sale que l'on fait avec Julia. Ensuite, j'avais prévu ma maison météo, bien sûr, le salle mystère de Sabine, le salle que moi j'organise de Alice au pays des merveilles, le salle du Nouvel An, le Bouddha de Sabine, hein, poussière d'étoiles, mes carottes. j'avais noté que si je pouvais, je commencerais mes pans royaux. Donc ça, c'était une broderie de chez All Forest. C'est une broderie payante. Je vais voir. Et j'en ai oublié une. Oui, ma broderie fleurs que je fais en duo avec Céline. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Oui, je voulais commencer aussi la steampunk. Mais bon, on va commencer par ça. J'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps et je n'ai pas encore terminé de la préparer. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. J'ai 150 couleurs à préparer. Elles sont toutes là, mais elles ne sont pas toutes bobinées. Donc, voilà les premières. Oh, ça reflète. Voilà les premières bobinées. Et ici, dans le sac, voilà, il y a toutes les autres échevettes que je dois bobiner. Alors, je ne sais pas, je vous ai dit, je ne l'ai pas encore commencé. Mais je vais voir. Peut-être que je vais bobiner au fur et à mesure que je vais avancer. Parce que là, j'en ai pour un grand moment. Hein, vous voyez, il y en a quand même il y a quand même un gros paquet à bobiner. Alors, il va me manquer quelques échevettes, mais. Ouais, il m'en manque quoi? 5 ou 6, mais c'est des selles qu'il me faut en doublon ou en triplé, voilà, où il m'en fallait plusieurs. Donc, ça, c'est pas très grave, puisque j'en ai déjà au moins une à chaque fois pour une ou deux pour faire la couleur que j'ai besoin de faire. Donc, pendant que je ferai cette broderie-là, qui va durer très longtemps, très très longtemps, je pourrai entre deux récupérer ben, les couleurs qu'il me manque. Voilà. Donc, je vais voir comment je vais faire
Je pense que je vais commencer à la broder. Je regarderai la couleur que j'ai besoin pour commencer. Si elle est bobinée, c'est bien. Si elle n'est pas bobinée, je la bobinerai tout de suite. Voilà. Et je commencerai à broder. Et puis, je ferai comme ça au fur et à mesure pour dire ne pas passer une journée entière à bobiner. Voilà. J'avais prévu également donc en tricot le débardeur de chouchou, mon pull fil d'art et mon pull camionneur. J'avais également les couvertures, donc les couvertures météo de 2023, la couverture météo de 2024. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal, hein. Parce qu'en plus, il y a des choses qui vont se rajouter. Je vais vous en parler au cours de la vidéo. Voilà. Je suis un peu maso. Oui, il faut le dire. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Alors. Une broderie de terminée, voilà, mais que vous n'aviez pas vue parce que je l'ai faite dimanche pendant que je faisais le montage de ma vidéo de mon jardin créatif, j'allais dire, mon journal créatif. Au lieu de faire ma couverture météo comme je fais d'habitude, crochet pendant que je fais le montage de ma vidéo, j'ai choisi de faire une broderie. Voilà. Oui, je l'ai commencé. En commençant le montage de ma vidéo et je l'ai terminé à la fin du montage de ma vidéo, de la mise en ligne, tout. Donc alors la vidéo la semaine dernière, bon, j'avais des petits soucis avec le logiciel que je me sers d'habitude. Je vois, ça buguait, ça buguait, ça buguait. Donc j'ai repris un ancien logiciel qui est sur mon ordi. Ça m'a pris alors montage, enregistrement et mise en ligne sur YouTube. En tout, ça m'a pris 6 heures. J'ai cru devenir folle. Et j'avais dit, je sais pas pourquoi, j'ai dit, je vais commencer une broderie. On verra si je l'ai fini, c'est bien. Si je ne l'ai pas fini, c'est pas grave. Donc, vous pensez bien que ce n'est pas une grande broderie. C'est une broderie que je reçois dans mes livres de broderie, dans mes revues anglaises. Voilà, que j'achète maintenant tous les mois. Et on a toujours une broderie en cadeau. Voilà, dans la revue. Et donc, c'est cette broderie que j'ai faite. Donc, elle est faite, terminée et mise en cadre. Et la voici. C'est Elmer. Voilà. Donc, l'éléphant Elmer. Bon, c'est du bloc, hein, donc c'est pour ça que ça a quand même été assez facile à faire sur une journée. Donc sur la revue, la créatrice préconisait 6 heures. Moi, j'ai mis 6 heures donc pour le broder, pour le stabiliser. Donc je mets du thermocollant derrière et de faire l'encadrement. Donc ça m'a pris 6 heures et finition faite. Voilà. Et je le trouve trop rigolo. Voilà. Alors, vous voyez le nom marqué Elmer, bien sûr. Ça, c'était fourni avec. C'était en format, comment je vais dire, comme pour faire une carte, donc une double carte. Donc, j'ai gardé que la face de devant. J'ai retiré la face de derrière. Je l'ai fixée sur ma broderie. Donc, là, vous voyez bien. J'ai pas redécoupé rien du tout, hein. J'ai gardé la découpe d'origine et donc ça va pile poil dans la broderie. Il n'y a aucun point de broderie qui est sous le carton. Voilà. Mais j'ai bien aimé le faire et puis je la trouve non, comme ça. Je la trouve rigolote. Voilà.
Bon, c'est rare que je fais ce style-là, hein, mais c'était un peu pour changer. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, une broderie de terminée. Je vais la mettre là pour pas qu'elle tombe. Ensuite, par où je commence? Alors, vous avez vu, je vous ai mis une photo au début. Je vous ai mis la. Alors, je pense que je l'ai mis, hein, je sais plus. Normalement, j'ai dû vous mettre un petit bout quand les pépères font dodo. Voilà comment ils font dodo. Et je vous ai mis une photo. Je vous avais dit la semaine dernière que je vous mettrais une photo de comment c'est là à mes pieds pendant que je fais la vidéo. C'est chouette. Alors, je pense que j'aurais pas oublié de vous la mettre. Donc, on va commencer par les broderies en cours. Voilà. Bah, je vais prendre celle-là en premier. C'est celle-là que j'ai devant moi. Alors, celle-là, je l'ai à cet après-midi. Enfin, j'ai fait trois. J'ai travaillé sur trois broderies aujourd'hui. Et j'ai fait celle-là en dernier. Et j'aurais dû la faire en premier. Parce que je voulais absolument la terminer. Et j'ai pas réussi. Pourtant, vous allez voir, il reste presque rien à faire. Mais je pouvais plus, j'avais trop, trop, trop mal à la tête. Ce qui fait que je brode plusieurs heures par jour avec ma lampe loupe. Et au bout d'un moment, Doliprane est mon ami. J'ai mal à la tête et voilà. Donc là, j'ai dû arrêter. Mais bon, là, je suis sûre que là, demain, je la prends en faisant le montage de la vidéo. Elle est terminée, hein, en une demi, bon, on va dire 1 heure quand même, parce qu'il y a du point arrière à faire. Je pense qu'en 1 heure, bon, allez, je vais être large, 1 heure et demie. En 1 heure et demie, elle sera terminée. Voilà. Et du coup, elle sera encadrée et tout. Mais là, bon, du coup, si elle est encadrée, je n'arriverai pas à vous la mettre dans la vidéo. Mais je vous mettrai soit un comment on appelle ça, en short, une mini vidéo, ou alors je vous mettrai une photo dans la communauté. Donc voilà. Donc c'est les fleurs que je fais en duo avec Céline. D'ailleurs, je vous mets la sienne qui, elle, est terminée. Voilà. Oui, il ne reste pas grand-chose. Vous voyez le bleu ciel là? Voilà, il me reste le bleu ciel à faire. Donc, il y a quoi? 50 croix peut-être. Ouais, peut-être un petit peu plus, mais voilà. Et il me reste le point arrière à faire. Le point arrière va pas être très compliqué, hein. Je vous montre. Voyez, voilà tout ce qui est jaune. Donc ça va aller assez vite à faire. Puis il y en a un petit peu autour des feuilles, voilà, ici. Donc ça va. Moi le point arrière ça m'embête pas. Hein. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Donc ça change. Donc à la fin ça fait ça. Voilà. Les jolies tulipes. Alors là on en est à la quatrième. Voilà. Donc il nous en reste. Trois à faire, voilà, et on aura fait toute notre série. C'est une série de 8, donc voilà, la série sera faite. Et j'aime beaucoup, elles sont très belles. Moi, je les encadre individuellement. Céline, je crois qu'elle va les encadrer tous ensemble. Je ne sais plus, je crois qu'elle va faire un seul cadre, mais moi, je les encadre individuellement. Voilà, un peu dans le style que j'avais fait ici. Enfin, c'est même pas un peu, c'est vraiment le style. À part qu'ici, alors attendez. Bon, faites pas gaffe à la poussière. Hein. En ce moment, j'ai beaucoup de poussière. D'ailleurs, il faudra que je les nettoie.
Ici, le cadre était noir. J'avais fait un passe-partout couleur, comment ça s'appelle cette couleur? Craft, voilà. Et pour cela, c'est le contraire. Le cadre est marron et le passe-partout est noir. Voilà. Ah ouais, il y en a 12 à la vie. 12 plus les 50 qui sont au mur, là. Hop, voilà. Nous, c'est pas la maison. Comment, je sais plus comment on dit les maisons où il y a presque, il y a pas de bibelot, il y a rien là. Ça a un nom. Ça, par contre, j'ai horreur. Ça fait hôpital. Ça fait. Bon, par contre, nous, il y en a quand même un peu beaucoup. Ouais, au mur, il y a, c'est les DP à chouchou. Il y en a quelques-uns à moi, mais pas beaucoup. Ouais, il y en a quoi, une bonne quarantaine passée. Plus des cadres que j'avais fait en scrapbooking avec les photos des enfants. J'ai quelques broderies ici, j'ai des broderies par là. Ouais, c'est chaud. Hein. il y a un de ces jours, je vais voir avec Chouchou pour qu'on les décroche un par un, que je les nettoie bien. Ils sont tous en vitre, en plexi, hein, donc ça va vite à nettoyer. Et voilà. Ensuite. Je vais vous montrer. Je lui fais peur, il fait dodo. Fais dodo. Non, bouge pas. Je sais pas ce qu'il a. Depuis un petit moment, c'est pas chat, le bichon. S'il vient près de moi, que je fais un geste, que je lève ma jambe pour croiser mes jambes ou quoi, il est comme ça. Pourtant. Il n'est pas martyrisé, hein, vous savez bien. Moi, les bêtes ici, hein, c'est eux qui sont les chefs à la maison. Mais je ne sais pas, en ce moment, il a toujours peur. Je sais pas. Il sait qu'il a mal à. Il rattrape mal à une papatte. Donc, peut-être qu'il a peur qu'on lui fait mal à sa patte. Alors, ça, c'est dans le grand sac. J'adore ce sac. Hop. Alors, c'est ma maison météo. Donc, oula, l'aiguille, elle n'est pas attachée. Attendez. Heureusement que je l'ai vue. J'aurais pu me piquer. C'est ma maison météo. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grille que j'ai dessinée moi-même. Et que donc j'organise en salle. Donc, on a commencé ce salle l'année dernière. J'avais donné 6 mois pour broder toute la structure. Donc, vous avez vu hein, le dessin, là. Toute la structure, donc toute la maison, les petits décors, les fenêtres, tout. Il fallait tout broder. Donc, on avait 6 mois pour le faire. Et à partir du 1er janvier, chaque fenêtre est brodée aux couleurs des températures. Qu'il fait chaque jour. Voilà. Donc une fenêtre équivaut à une semaine puisqu'il y a 7 vitres par fenêtre. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit essai de déco. Là, je vais pas faire la déco maintenant, hein, bien sûr, mais là, j'ai voulu faire un essai, voir ce que ça donnait et je vais vous le montrer. Et je trouve ça bien. Voilà, je trouve ça bien. Alors, par contre, ouais, il faudra que je le fasse à la dernière minute parce que, bon, là, je vais certainement les retirer. Parce que là, on va broder pendant un an dessus. Et donc, la déco que vous allez voir, si je la mets maintenant, ou même si je laisse les 2 petits modèles que j'ai mis maintenant, dans un an, c'est mort, c'est abîmé et tout. Avant que j'encadre, ce sera abîmé. Donc, sauf que là, il faudra que je trouve un cadre. Avec, donc il va déjà me falloir un grand cadre, mais qui est une distance entre la vitre et la broderie. Comment on appelle ces cadres? C'est les cadres 3D, je crois qu'on appelle ça. Voilà. Donc, je suis à jour. Voilà. Donc, j'ai avancé ma boiserie, là. Là, j'ai commencé. J'ai commencé le toit de ce côté-là, ici. Voilà. Là, bon, c'est toujours pareil.
Et voilà la déco que je veux mettre. Alors, je ne sais pas si je vais bien savoir vous le montrer là, mais je vais vous mettre des photos, sinon, vous voyez, c'est des petites touffes de fleurs, pour dire comme si c'était une jardinière qui était... Et je vais faire ça sous chaque fenêtre. Voilà. Donc là, le premier rang, ça va être violet, blanc, violet, blanc, violet, blanc, violet, blanc. Je verrai pour les autres étages, les couleurs que je mettrai, ou si je vais mettre la même couleur partout, je vais voir. Mais j'ai eu cette idée-là d'un coup, comme ça. Des fois, j'ai des idées un peu farfelues. Voilà. Donc, quand on le voit en vrai, ça fait très bien. Ça fait bien. Donc là, pour l'instant, je l'ai collé avec juste un petit bout de double face, puisque je voulais pour essayer. Si ça tient, bah, tant mieux. Si ça ne tient pas, j'essaierai peut-être de faire un point, de piquer en faisant un petit point. Je verrai à la longue. Mais là, bon, pour l'instant, je vais peut-être les laisser quelques jours quand même, voir si ça bouge, si ça ne bouge pas. Mais je le ferai vraiment quand toute la maison sera terminée. Voilà. De toute façon, je vous mets les photos pour que vous voyez de plus près ces deux fenêtres avec mes petites fleurs. Voilà. Alors, c'est des petites fleurs. Alors, vous allez dire, tu sais pas ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Mais j'en ai pas trouvé en France. J'ai trouvé ça sur Temu. J'aime pas ce truc, mais bon. Je n'ai trouvé que là. J'en ai trouvé que là. Et il y a vraiment toutes sortes. Alors, je suis déçue que par un truc, j'ai voulu prendre des rosiers grimpants. Sur la photo, il y avait trois branches de rosiers grimpants. Mais oui, mais on n'en reçoit qu'une. Donc c'est en plus là c'est en plastique, donc ça me plaît pas. À l'occasion je vous la montre, je vous montrerai, hein. Je vous ferai peut-être une vidéo rapide, ça va être vraiment rapide, hein, parce que moi il était mu, je vous dis on n'est pas copains, hein. C'est parce que vraiment je cherchais des toutes petites comme ça et il n'y a que là que j'ai trouvé. Mais là le petit rosier grimpant, non, j'aime pas. Mais bon, ça va, il n'y a qu'une branche, donc ça restera au fond du tiroir, et puis c'est tout. Là, c'est pas du plastique. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est pas du plastique. Comment je peux vous expliquer ça? On dirait comme du papier. Mais c'est pas du plastique, c'est pas du vrai papier. Je sais pas vous dire en quoi c'est, mais au moins, c'est pas du plastique. Voilà. Bon, là, en plus, il n'est pas très, très, très bien centré. Hein. J'ai fait ça comme ça. Mais là, je vois que c'est pas, il est pas bien centré. Mais c'est pas grave. Alors, vous voyez, ça perd un petit peu le truc blanc là qui est dessus. Donc, il ne faut pas que j'y touche trop. C'est pour ça que je pense que je les mets. C'est sûr, c'est pas que je pense, c'est sûr. Je les mettrai, mais à la fin. Voilà, juste avant de faire l'encadrement. Voilà. Ben, j'avais envie et ça me donne une petite touche perso à la broderie. Alors, sur le groupe, j'ai certaines qui l'ont vu. Enfin, tout le monde l'a vu, bien sûr. Et j'ai certaines qui me disaient « Oh, on va te copier !» Je m'en fiche. Tant mieux si je donne des idées à certaines pour décorer leur broderie. Voilà. Bon, ben, en tout cas, je suis à jour. Le toit de ce côté-ci commence à monter, donc je vais aller comme ça et rattraper pour le milieu. Ici, de toute façon, dans le toit, c'est noté la maison météo ou maison météo 2024. Voilà. Mais un petit peu à la fois, là, mes fenêtres commencent à...
J'ai plus énormément, enfin si, j'en ai encore, mais j'ai plus énormément de fenêtres. Là, j'ai 5 rangs de 11 fenêtres. Donc, voilà. Donc, voilà. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Ensuite, oui, je vais vous montrer celle-ci. Alors, celle-ci n'était pas prévue, pas du tout. Je voulais me servir parce que pour celle-là, je me sers de ça. C'est les plaques aimantées qu'il y a chez Action. Alors ça, c'est, j'adore ça parce que bah, vous, quand vous faites en broderie sur papier, voilà, vous mettez votre patron, vous mettez les aimants dessus, voilà, vous avez la règle pour suivre votre ligne et ça va super bien. Donc, j'en avais besoin pour une autre des broderies. Et puis, comme j'ai vu ma broderie, je dis, oh, bah tiens, je vais te sortir. Toi, ça fait un petit moment que tu n'es pas sorti de ta pochette. Donc, je vais te sortir. Alors, je vais poser ça là. Et j'ai refait quelques points. Enfin, voilà. Alors, je suis dans quel sens? Je suis dans ce sens-là. Mon toast à l'œuf, voilà. Mon toast grillé à l'œuf, ou je ne sais plus exactement dans quel sens on dit le titre. Ah, j'ai pas pris la pochette, mince. C'est le modèle original. C'est le modèle de Magic Needle, voilà. Donc ça, là, c'est pas du tout la copie, c'est le vrai. Et il fait, on en mangerait bien, hein. Regardez-moi ça, il est top, hein. Alors, j'ai dû vous mettre la photo où j'en étais quand je m'étais arrêtée il y a quelques mois. Voilà. Et là, j'ai voulu la ressortir. Je dis, il faudrait quand même que je l'avance. Surtout qu'elle est chouette à faire, hein, celle-là. Elle est vraiment chouette à faire. Donc voilà, bon, du coup, j'ai ressorti. Elle a réintégré du coup le sac hebdomadaire de broderie. Et je vais essayer de l'avancer un peu à chaque fois, chaque semaine, si je peux, pour pouvoir la terminer. Parce que bon, il n'y a plus grand-chose à faire dessus, hein, quand même. Faut que je termine la tartine là. Voilà. Là, il y a une feuille de salade, je crois. Et après, il y a du demi-point un peu tout autour pour faire du relief. L'œuf, lui, est terminé. Ouais, l'œuf est terminé. Là, il y a des petits condiments qui doivent venir ici. Voilà, là, là. Non, elle devrait rapidement se terminer si je me remets dessus régulièrement. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment fait plaisir de la ressortir. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, une broderie qui est sortie de sa cachette. Donc celle-là va intégrer les broderies hebdomadaires. De la semaine. Ici, bon, pour l'instant, je prends le suivant comme ma broderie du dimanche soir. J'y fais un petit peu. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas trop dessus. Bon, vous comprenez pourquoi, hein, j'ai quand même pas mal de choses. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Donc moi, là, je suis sur le bas. J'ai pas fait grand-chose. Hein. Alors, l'autre fois, j'étais là. J'ai dit, bon, je
je continuerai plus tard. Des fois, moi, je suis comme ça. Je prends d'un côté, je reprends de l'autre, je reprends en haut, en bas. Et là, alors, est-ce que vous allez voir la différence de couleur? Ouais, là, à l'écran, on la voit. Alors, j'ai fait le orange ici. Et ici. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai fait. Je sais, c'est pas beaucoup. Mais, j'ai quand même avancé. Voilà. C'est quand même quelques points de plus de fait dessus. Elle est très agréable à faire. Hein. Elle n'est pas... Mais là, je vois que deux oranges comme ça, ça fait... Ils sont presque pareils. Ouais. On ne voit pas grande différence entre les deux. Pourtant, je ne me suis pas trompée. Hein. Non. Mais bon, c'est rien. Hein. Après, quand on verra de loin, quand tout sera fini, ce sera peut-être mieux. Voilà. Oh, quelqu'un a envie de m'embrasser. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait dessus pour l'instant. Mais je vais avancer. Alors, je ne fais toujours pas le blanc. Le blanc, c'est la couleur que je vais faire en dernier. Donc, le blanc, c'est tout ce qui est vert, là. Voilà. Cette couleur-là, je vais la faire en dernier pour pas, comme cette broderie-là va durer quand même un petit moment, pour ne pas salir le blanc, je le fais en dernier. Voilà. Hop. Ensuite, mon Lanart. Ça me fait penser qu'il faudrait que j'envoie un message à Lanart. Je vous l'ai montré il y a quelques mois dans mes vieilles broderies commencées que j'ai en haut. J'ai deux Lanart. Enfin, si j'y pense, je vous mettrai la photo, mais bon, je ne suis pas sûre d'y penser. J'ai deux Lanart en haut. Tous les deux, c'est le même thème. Et il y en a un qui est déjà commencé depuis très longtemps. Que j'essaie de reprendre. Hein, ça, ce n'est pas un souci. Et par contre, la deuxième, je n'ai plus que la pochette. Je n'ai plus la toile, je n'ai plus la grille, je n'ai plus rien. Mais c'est un vieux, 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 vieux modèle. Ouais, ça date de... Je les avais eus il y a quoi? Il y a 20 ans? Ouais. Donc, je ne sais pas si Lanart les aurait encore. Je vais leur envoyer un message pour voir avec eux. Parce que j'aimais bien ces broderies. Je vous dis, la première, ça va, je peux la continuer. Hein, mais... voilà. Alors, ici, j'ai avancé, mais pas beaucoup. Franchement, pas beaucoup. J'ai voulu le faire le soir et j'ai eu mal à la tête et du coup je l'ai posé. Voilà, donc c'est mes hérons bleus de chez Lanart. Bon, j'ai avancé un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre la photo et ce que je vous montre. Mais après j'ai eu très très mal à la tête, donc je l'ai posé et je ne l'ai pas repris cette semaine. Mais toujours aussi agréable à faire. Le fil est très régulier, la toile également. Donc c'est Naïda, hein, c'est Naïda 5.5, c'est Naïda 14CT. Mais très très agréable à faire. Voilà. Donc un petit peu à la fois. Je vous dis, elle n'a pas beaucoup avancé cette semaine. J'ai un peu calé, mais c'est pas grave, ça va. Cette semaine, ça devrait aller mieux. Ce qu'il faudrait, c'est que je fais des pauses. Voilà. Donc, je fais des pauses quand je brode. Pas toujours rester comme ça. En plus, avec la lampe loupe, ça fait mal aux yeux. Donc, voilà. Hop. Bon, je voulais vous montrer en dernier celui-là, mais comme il est
encombrant aussi avec son sac. Voilà. Alors, c'est mes pans royaux. Oh, on les gratte. C'est mes pans royaux. Donc, c'est un modèle de chez All Forest. C'est un modèle payant. Voilà, de toute façon, je vous aurais mis la photo. Hop. Alors, vous rappelez que je vous... je pense que je vous l'ai dit la semaine dernière. Je vais télécharger la grille sur mon Pattern Keeper. Et ça, y a eu comme un bug. Après, bon, on m'a expliqué pourquoi. Oh, mince. J'ai mon pull qui s'est décousu, là. Ah, oh, zut. ouais, la grille, au lieu de s'enregistrer une seule fois, elle s'est enregistrée deux fois, mais en suivant. Et je n'avais pas vu tout de suite. Donc, j'avais commencé à broder et bah, je m'étais complètement plantée. Heureusement, je n'avais pas fait beaucoup de points. J'en avais fait quoi, une petite centaine. Donc, j'ai tout démonté. Passé la brosse à dents sur ma toile pour bien remettre la trame. J'ai refait. Donc, j'ai re-téléchargé comme il faut ma grille. Voilà. Et je l'ai commencé. Alors, voilà où j'en suis. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même... Alors, je dois être à... Là, il y a 713 points. Voilà, de fait. Donc, ça me fait 2,2% hein, de la toile. Bon, c'est pas énorme, mais... Ouais. Alors, je n'arrivais plus à m'arrêter, par contre, tout à l'heure, sur celle-là. Bon, j'ai dû me forcer pour m'arrêter, parce que j'arrivais plus à m'arrêter. Elle est vraiment très, très, très agréable à faire. Et du coup, je la fais. Alors, ouais, là, vous voyez bien. J'ai donc choisi la toile rose, la vintage rose. Voilà, c'est une étamine Murano. Je regarde, je vous mettrai à l'écran. C'est une 12,6 fils. Voilà. Et j'utilise le fil DMC, donc le vrai DMC, hein. Le 550. Je voulais broder avec du fil étoile. Alors, j'ai essayé, mais... Alors, je vais réessayer, hein, de toute façon, parce que bon, je ne veux pas mourir bête. Sur le coup, ça ne m'a pas plu. C'est pas le résultat hein, qui ne m'a pas plu. C'est pour broder. Ça ne m'a pas plu. Mais bon, je pense que je vais réessayer. Et si vraiment je vois que ça ne me plaît pas, je n'utiliserai pas le fil étoile. Voilà. J'utiliserai que ce fil ici, je pense. À moins que j'ai un autre fil qui pourrait aller avec ça. Ou voilà. Mais bon, je verrai. Pour l'instant, je vais utiliser le 550. Et donc le fil étoile, je peux en avoir un ici, je pense. Là, non. Ah ben non, il est bobiné. Voilà, je l'avais bobiné, donc c'est celui-là, vous voyez. Et ça, c'est celui avec lequel je brode. Mais je sais pas. Je ne sais plus si j'avais pris deux fils ou un fil plié en deux. J'ai peut-être pris deux fils. Je ne sais plus. Donc, je vais réessayer, faire quelques croix. Et si je vois que ça ne me plaît pas, bah, ça y est, j'abandonnerai le fil étoile. Et voilà. Donc, celui-là va durer un petit moment également. Hein, parce que il est très grand à faire, mais ce n'est que du monochrome, donc ça va. Donc celui-là a été commencé cette semaine. Alors je l'ai fait en deux fois. La première fois, j'ai fait... Je l'ai mis où ?
Alors, j'ai mis où? Je l'avais fait en deux fois. Ah zut alors. Ah si. Voilà. Ah ben j'avais pas marqué le nombre de points que j'avais fait. Mais aujourd'hui j'en ai fait 474. Et je vous dis, il y en a 713 de faits. Sur 32 089. Donc il y a du taf. Hop. Voilà. Ça y est, je peux ranger mes pieds. Ensuite, donc ça c'est le Hall Forest, donc celui-là, j'avais rien à faire dessus, enfin oui, je suis à jour. Ici, mon petit Bouddha. Alors, oh, j'ai un truc qui est tombé, je crois, non ? Pas. Alors, mon petit Bouddha, pas mon petit Bouddha. Voilà, le voici. Alors, il avance doucement mais sûrement, voyez. Alors, vous pouvez voir sur la photo que là, il y avait des points bleu marine. Je les ai enlevés parce que je vous en avais parlé la dernière fois. Je savais qu'il y avait une erreur. Donc là, je les ai enlevés et je les referai quand j'arriverai là. Là, par contre, j'ai commencé le blanc. Voilà, donc là, c'est la deuxième oreille. J'ai fait surtout du blanc, là, cette fois-ci. Du blanc et du presque blanc. Voilà. Alors, le Bouddha, est-ce que j'ai marqué? Oui, j'ai fait 370 croix. En tout, j'en ai déjà 2624 de faites et j'ai fait 20,41% de la broderie. Voilà. Donc j'arrive au premier quart de la broderie de faites. Mais j'aime bien. Voilà. J'aime toujours autant la toile que j'ai choisie. Donc vous voyez, c'est du bleu ciel, donc étamine 12,6 fils, voilà ma toile de prédilection, qui vient également de la maison du canevas. Toile très agréable à faire, j'aime beaucoup. Je crois qu'il va être très joli mon Bouddha. Hop. Alors, le Bouddha, c'est fait. Alors, ma bête noire. Vous devez deviner ce que c'est, ma bête noire. Ma carotte. Ma carotte. Alors, je suis bien sûr toujours dans le feuillage, hein, puisqu'il n'y a plus que ça à broder. Alors, j'ai fait toute cette partie-là. Voilà, mais ça va, ça commence à avancer. Alors, j'ai essayé de faire attention, de ne pas faire d'erreur. Alors, normalement, cette partie-là n'a pas d'erreur, normalement. Mais je vous dis, ce feuillage est vraiment compliqué à faire. Mais voilà. Et je les aime toujours autant. Et j'ai toujours autant hâte de la terminer. Mais ça va. Là, ce que j'ai fait, j'ai monté par couleur. J'ai comme ça, je ne vais pas me tromper. J'ai stabiloté au fur et à mesure mon papier, ma photocopie. Normalement, il n'y a pas d'erreur, ou alors s'il y en a, c'est vraiment très très peu.
Ça doit être une ou deux, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. La fin approche. Je ne sais pas encore quand, mais la... Alors, je voulais la finir pour la... Je vous avais dit, hein, pour la fin du mois. Mais du coup, non, elle ne sera pas finie pour la fin du mois. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas une course, hein. C'est parce que quand on est longtemps sur une broderie comme ça, qu'on bloque sur un motif comme là, sur le feuillage, ça devient lassant. Ça, c'est quoi? Non, la grenouille, je ne l'ai pas sortie cette semaine. Non, j'ai pas sorti ma grenouille cette semaine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la grenouille, c'est ça. Voilà. Mais bon, là j'ai rien fait dessus cette semaine. Les jours sont pas à rallonge, hein, non plus. Donc les broderies sont à rallonge. Mais pas les jours. Ensuite, ça c'est quoi? Ah oui. Alors ça, faut que je termine cette semaine absolument. Enfin, c'est pareil, même si je prends du retard, c'est pas grave. Mais comme c'est moi qui organise le sale, j'aimerais bien être à jour. Ce bruit, bon, j'ai entendu un bruit bizarre, mais voilà, c'est mon sale du nouvel an, donc je suis à l'étape 2. Alors il y a plus grand chose à faire, hein, sur l'étape 2, vous voyez, voilà, il n'y a pas grand chose. Il va y avoir un tout petit peu de point arrière ici dans la queue de l'oiseau. Et puis sur un trait ou deux de comment dans la fenêtre là, mais vraiment presque rien. C'est toujours nickel. C'est un kit Riolis. Voilà. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, le fil, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis la team qui aime. C'est un fil laine acrylique qui donne beaucoup de relief à la broderie. Voilà. Bon, là, peut-être comme ça, à l'image, vous ne voyez pas beaucoup. Mais moi qui le vois en vrai, je vois quand même que ça fait, il y a un peu de relief. Voilà. Donc ça, celle-là, elle sera terminée avant la fin du mois. Enfin, maximum pour le 29. Alors ça, c'est un kit que j'avais eu également à la maison du canevas. Voilà. Alors normalement, je vous aurais mis tous les liens, hein, dont je parle. Alors, j'arrive pas à refermer. Ah, non, c'est pas grave. Je vous aurais mis tous les liens en barre d'infos. Alors celle-là, je n'ai pas de point à vous donner puisque je la fais en mode papier. Ça, je voulais, ça c'est, oui, je voulais montrer. Ici, c'est quoi? Ah oui. Alors ça, c'est mon sale, le sale que j'organise. C'est un modèle All Forest. Voilà, c'est un modèle gratuit. Il existe en deux versions. C'est Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc j'ai terminé mes 1000 points. Je dois être à 1000 points là, parce que là, c'est pareil. Alors, celle-là, pas moyen de la mettre, hein, sur Pattern Keeper. Il n'y a pas moyen. Ou alors, il faut refaire des découpages incroyables. Et puis même, on ne saurait pas.
Il n'y a pas moyen. Donc là, c'est sur papier, obligatoirement. Mais pareil, très agréable à faire. Donc là, l'arche du milieu est terminée. Et là, je la reprendrai donc au mois de mars pour refaire mes 1000 points du mois. Donc là, par contre, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je n'ai pas fixé de date de fin. Parce que, ben, justement, comme c'était sur, sur papier, je ne saurais pas vraiment dire combien de temps on va faire. Donc là, ben, on la brode jusqu'à ce qu'on l'ait fini. Et on essaye de faire au moins 1000 points, 1000 croix par mois. Vous voyez, je commence à avoir mal à la tête. Ah, c'est en ce moment, c'est... Ensuite, alors, celle-ci. Où je suis? Où es-tu? Ah, ici. Mon petit dragon. Voilà. Et il avance. Alors là, j'ai fait 433 croix, soit 1000. Attendez, je suis en train. Ah oui, si, c'est bon. En tout, j'ai déjà fait 1578 croix et je suis à 45,36%. C'est le voisin qui tape au marteau. C'est pas grave. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont emménagé. Hein, donc, ils ont encore des choses à accrocher au mur. Bon, sauf qu'il est 10h du soir. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Hein, mais bon. Oui, donc j'en suis à 45,36%. Donc, je suis presque arrivée à la moitié. Voilà. Et... il me plaît beaucoup, mon petit dragon. Donc, il est sur une étamine 12 fils également. C'est une étamine que j'avais gagnée sur un concours sur Instagram à la boutique Tom et Lily Création, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, ça c'est quoi? Non, ça je viens de vous le montrer. Ah, ici. Ma broderie mystère. Donc ça c'est le sale de Sabine, poussière d'étoile. Bon, j'en suis toujours à la quatrième étape. Là, ils ont pour ainsi dire terminé presque. Il n'y a plus qu'une étape. On a découvert ce que c'était le motif, mais je ne vous le dirai pas. Je ne suis pas mouchane. Donc, je ne veux pas spoiler ceux qui ne le savent pas et qui sont comme moi un peu en retard. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. J'ai fait 321 croix. Voilà. Ah, j'ai oublié de marquer le pourcentage. Bon, c'est pas grave. 321 croix, j'ai fait là, cette fois-ci. Donc, ça avance doucement aussi, mais sûrement. Voilà. C'est vrai que quand cette partie-là, comme je vous avais déjà expliqué la dernière fois, quand cette partie-là va être terminée, après, je vais avancer plus vite parce que ça va être des petites parties. Donc, je vais rattraper pas tout mon retard, mais je vais avancer beaucoup plus vite. Donc, ça ira beaucoup mieux.
mais toujours un plaisir de la broder. Oh, bah alors, j'ai une gratte qui puce. J'aime bien dire comme ça. Alors, est-ce que j'ai... Alors, je vous ai montré le dragon, je vous ai montré la fleur tulipe, la broderie mystère, le héron, les carottes, le toast à l'œuf, la couverture météo, le nouvel an, je vous ai montré Alice, les pans royaux, je vous ai montré également le Bouddha. Voilà, bah, je vous ai tout montré. Alors, ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps de faire, c'est la grenouille. Voilà, c'est rien, je me mettrai dessus la semaine prochaine. Par contre, j'avais rajouté donc la broderie du toast à l'œuf. En sachant que la semaine prochaine, niveau broderie, on commence, je vous en avais parlé, hein, je crois, sur une autre vidéo, j'ai dû vous en parler dans le journal créatif aussi. Le 1er mars, on commence à nouveau salle. Voilà. Donc, moi, tout est prêt. Il n'y a que ma toile que j'ai pas fait. Alors, je réfléchis encore pour ma toile. C'est pour faire la salle, le salle, pardon, le colibri. Donc, c'est une création de Sabine, hein, de poussière d'étoile. Moi, j'hésite encore sur ma toile. J'ai envie de prendre celle-là. Alors, elle est presque comme... oh, vous voyez pas la couleur, là. Oh, bon, pas du tout. C'est rose, hein. Ça fait rose avec des reflets blancs. Un peu comme celle où je fais mes pans royaux. Sauf que celle-ci, c'est... Alors, est-ce que j'ai la marque dessus ? Tchep, 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 tchep. C'est une Evenweave 28 count, étamine 11, donc c'est 11 fils. Donc d'habitude, je fais sur du 12, 12-6. Là, c'est du 11. Bon, je l'ai, il faut bien que je la brode. Mais je suis encore en train de réfléchir si je fais sur celle-là ou pas. Puisque là, bon, c'est une broderie quand même, comme vous avez vu, comme vous voyez là, l'image. C'est un peu aquarelle, c'est des couleurs assez, assez légères. Donc, je ne peux pas le faire sur une toile foncée. Une toile blanche. Ouais, je pourrais faire sur une toile blanche, mais voilà. Donc j'avais pensé à celle-là, sinon du vert pastel, mais j'en ai pas, donc je vais pas racheter de la toile. Donc soit sur celle-là, ou alors si j'ai assez, il faut que je regarde la toile rose vintage, si j'en ai encore assez, faire dessus, ou alors sur le lin blanc irisé, donc pailleté. Mais j'ai peur que blanc, ce soit trop blanc. Voilà. Donc, je sais pas. Bon, je pense que je vais la faire là-dessus. Oh, ça m'embête. Vous voyez pas la couleur. Et si je rapproche, même pas, non. Non, vous voyez. Ah, vous avez vu un... Voilà, là. Bon. Un dixième de seconde, vous l'avez vu. Donc je pense que je vais la faire là-dessus. Je verrai. Je vous en reparlerai. Elle s'appelle. Alors le nom de la toile, c'est Druid Petal. Voilà, c'est une 50 sur 45. Et il me faut 35 ou 40 sur 40, voilà, 35, 35 ou 40, donc j'ai assez. Ouais, je vais peut-être la faire là-dessus, pour changer. De toute façon, j'ai ma toile, je vous dis, cette toile-là, je l'ai. Il faut bien que je l'utilise.
J'avais acheté celle-là et deux autres toiles. Et c'était pour acheter une toile pour faire, parce qu'il y a une broderie que je voudrais faire qui est sur mes revues anglaises, mais pour l'instant c'est mis de côté. Donc j'avais acheté la toile qu'il fallait pour cette broderie-là, mais bon, pour l'instant je ne l'ai pas faite. Alors mes fils sont prêts par contre. Alors, hop. Je crois qu'il m'en manque juste un. Et j'attends de recevoir. Alors, je sais plus comment j'ai fait. Je crois que j'ai oublié de commander pour ici. J'ai commandé pour la Steampunk, mais je crois que j'ai oublié de commander pour celle-ci. Vous voyez là, ça c'est prêt pour mettre les nouvelles couleurs. Et je crois que j'ai oublié de les commander. Donc je vais passer la commande demain rapidement et puis voilà. Donc voilà les fils pour faire cette broderie. Donc on a 59 couleurs. Oui, je crois que j'ai tout mis. Bon, à part les nouvelles là. C'est celle qui démarre à 1, 2, 3, voilà, du 1 jusqu'au 35. Et je crois que c'est que j'ai commandé pour le Steampunk, mais je crois que j'ai oublié de commander pour là. Bon, c'est pas grave, je regarderai ça demain à tête reposée, comme on dit, et je passerai une commande rapide. Alors, je pense, je sais pas si je vais commander. Oh, ça m'énerve, mon nez, j'ai des poils des pubs. Je sais pas. Je sais pas si c'est la maison du canevas que j'aurai plus vite ou à Univers Broderie. Je verrai. Univers Broderie, j'en attends une. Justement, c'est pour ça. J'ai commandé, donc je vous dis, pour la Steampunk. Et c'est normalement, c'est cela que j'ai commandé. Et là, je les attends chez Univers Broderie. Ils ont mis mettre un peu plus de temps que d'habitude là, cette semaine. Et dans cette commande-là, ben, je vous montrerai deux choses. Je vous jure, c'est pas ma faute. Non, pas ma faute. J'ai pas fait exprès. Je vous le dis, j'ai les doigts qui glissent sur le clavier. Ouais, ça glisse. Alors, je sais pas, il est peut-être gras ou ça clique tout seul. Ah, je vous jure. Bon, niveau broderie, est-ce que je vous ai. Ah, j'ai oublié de remettre ça, ça y est, je vais mettre ça après. Oui, niveau broderie, je vous ai tout montré. Alors, je vais faire une pause de 5 minutes pour moi, mais vous, c'est. Oups, ça y est, vous allez me voir tout de suite. Parce que je vais remettre en place tout ce qui est broderie, parce que là, j'en ai plein les pieds. En même temps, je vais me boire un petit thé pêche, hein, comme d'habitude, parce que soit soif. Et on continuera ensuite avec le crochet et le tricot. Voilà. Là, on en est à 1h08, 09. Ça va. Donc, le tricot, tout ça, je ne pense pas que ça fera 1 heure. Hein. Non, 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 ça ne va pas faire 1 heure. Je ne sais même pas si ça va faire une demi-heure, mais bon, on verra bien. Voilà, je me fais ma toute petite pause. Je range mes broderies pour pouvoir mettre mes pieds en place. Et on se retrouve. Mais alors, regardez, ça y est, je suis déjà revenue. Vous avez vu, j'ai pas été longtemps. Hein. Ah, ça y est, je peux mettre mes pieds. Alors, bien sûr, il y a eu la pause pipi hein, d'un poilu. Et voisine, encore musique à fond. Hein, il est 10h15 du soir. Musique à fond. Oh, ça me gave. Les gens n'ont aucun respect pour les voisins. Alors, couverture météo de l'année dernière, bah, j'ai rien fait du coup.
Je sais, c'est pas comme ça que ça va avancer. Alors, je vous la remontre pour ceux qui l'auraient jamais vue. Hop. Donc ça, c'est la deuxième moitié, hein, je vous rappelle. Voilà. Donc là, on est au mois de novembre 2023. Voilà, 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 voilà. Et là, on est en juillet 2023. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie, comme je vous le disais. Puisque je la fais en deux morceaux que je vais rassembler après. Voilà. Donc cette semaine, j'ai rien fait. Je suis surtout sur ma broderie en ce moment. Je suis en mode broderie. Je fais bien sûr un peu de tricot. Mais celle-là, comme j'ai fait ma broderie Elmer pendant le montage de ma vidéo, du coup, j'ai pas pu faire du crochet. Mais bon, demain, dimanche matin, je ferai ma couverture météo. Ah, c'est là. Je ferai ma couverture météo pour pouvoir encore bien l'avancer si je peux. Voilà. Non, mais je voudrais bien qu'elle soit finie parce que... Ma couverture météo de cette année... Oh, mais je vous jure, mais je crois que c'est le pull. Il y a des poils. Je crois que ça me... Ça me chatouille le nez. Le pull, alors c'est qui? C'est un fil d'art. Voilà, c'est un fil d'art. Oh, je ne vais plus vous dire la laine. Que j'ai tricoté donc l'année dernière. Voilà. Alors, il est un petit peu plus long dans le dos que le devant. Mais quoi, il y a 5 cm de différence. Mais j'aime bien, il est bien chaud, il est doudou, voilà. Bon, pour l'instant, quand je sors, j'ai quand même besoin du manteau. Et du coup, celui-là, je ne peux pas le mettre avec le manteau. Sinon, ce serait comme ça. Donc, pour l'instant, je le mets à la maison. Et quand il fera encore un petit peu frais, mais que le manteau sera plus obligatoire, je mettrai pour sortir. Mais pour l'instant, ça plus le manteau, c'est impossible. Comme il, en plus, vous voyez, il est quand même large. Il se fait comme ça. Hein. Et puis là, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai le poignet qui s'est décousu. Alors moi, je ferme mal, je crois, mes bouts de manche. Faut que je les ferme mieux. Ça m'arrive souvent, ça. Alors, broderie de... broderie. Non mais il va taper du marteau longtemps. Ils sont gentils les voisins, mais là 10h du soir quand même. Alors je suis à jour. Là je tiens à être à jour pour pas reprendre du retard comme sur l'autre. Là je veux absolument être à jour. Voilà. Donc 1er janvier, et là on est samedi. Hein, attendez, non, je suis pas à jour aujourd'hui. Oh, j'ai pas fait celle d'aujourd'hui. Aïe 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 aïe. Je vais prendre du retard. Oh, après la vidéo, je vais la faire. Ah ouais, non, faut pas que je prenne du retard. Ouais, non, je l'ai pas fait aujourd'hui. Oh, mince, c'est malin. Donc à part aujourd'hui, ça va, je suis à jour. Alors toute cette semaine, j'ai fait la maille serrée. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà.
Oui, normalement ça fait 4 cm, hein, donc là il me manque samedi et le dimanche. Donc mes 4 cm y seront. Sinon, après, voilà, c'est de la bride. Là, de la maille serrée. Ici, de la maille serrée. Voilà, de la bride, etc. J'ai hâte qu'elle grandisse un petit peu, parce que pour l'instant, je la trouve moins belle que l'année dernière. Ou alors c'est les couleurs, parce qu'il n'y a pas encore de couleurs chaudes. Là, c'était froid. Mais voilà. Donc là, je suis un jour, à part celui d'aujourd'hui, là, quand j'aurai terminé de papoter avec vous, je vais le faire tout de suite. Ça va me prendre un quart d'heure, mais encore. Oui, si, bon, un quart d'heure quand même. Là, pour l'instant, je suis dans le bleu. Voilà. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai oublié de faire mon rang. Je l'oublie jamais. Bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Alors, niveau tricot. Bon. J'ai pas fait de folie, hein. Alors, pour l'instant, mon pull, comme je vous avais dit la semaine dernière, mon pull camionneur, j'avais dit que cette semaine, j'y toucherais pas. J'ai tenu parole. J'y ai pas touché, mais j'ai réfléchi. Alors, comme cette histoire d'augmentation qui se fait là, ça me gave. Je sais pas, je n'arrive pas. Je pense que je vais faire les augmentations à ma manière, c'est-à-dire en début et en fin de rang. De toute façon, ce sera toujours pareil. Hein, voilà, je vais faire les augmentations à ma manière et ça va me prendre moins la tête. Parce que là, je sens que je vais, ça va me prendre la tête. Et moi, une fois que ça me gave, c'est mort. Et là, ça m'embêterait quand même d'abandonner. Et je ne veux pas abandonner. Donc, je vais mettre mes augmentations comme on fait pour un pull normal. C'est-à-dire au début de rang et au fin de rang. Et puis, voilà. Allô, 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 allô. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait petit peu, pull chouchou. Je suis sûre que vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais je vous assure que ça avance. Je vous assure que ça avance. J'ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah 7 rangs. En ce moment, je fais 7 rangs à chaque fois. Voilà, j'ai fait 7 rangs. Mais il avance doucement. Normalement, le tricot, je le fais le soir. Hein. Mais là, comme j'ai fait de la broderie le soir aussi, voilà, ça, c'est pas bien. Il faut que je sorte mon tricot absolument le soir. Voilà. Ou même changer peut-être un petit peu. Comme j'ai souvent mal à la tête en ce moment, peut-être, ouais, bon, je fais une session de broderie. Et je devrais prendre après mon tricot. Et quand j'ai fini ma session de tricot, reprendre ma deuxième broderie. Voilà, alterner pour reposer un peu mes yeux avec la lampe loupe. Parce que là, je fais deux, trois, des fois quatre broderies à l'affilée. Donc ça me fait deux, quatre, six, des fois 6 heures, plus, des fois plus au-dessus de ma loupe. Et je sais que c'est ça qui me donne mal à la tête. Donc je pense que je vais essayer de faire ça cette semaine. Le matin, je vais commencer à faire une broderie. Je vais couper en faisant, ben, je vais faire mon tricot. Quand j'aurai fini ma session de tricot, si j'arrive à faire 10-15 rangs, après je reprends une broderie. Et voilà, je vais alterner comme ça pour essayer de reposer au maximum mes yeux et ma tête.
Parce que sinon, je sens que ça va exploser. Et un jour, ça ne va pas le faire. Donc, et au moins, j'avancerai un peu plus dans mes tricots. Voilà. Donc, le pull de chouchou. Donc, ça, je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas encore vu avant, c'est un pull débardeur. C'est un modèle tout simple de chez Bergère de France. Normalement, je vous ai mis le lien en barre d'infos. C'est un modèle gratuit. C'est le truc tout simple, hein. Il n'y a pas de chichi, vous voyez, de toute façon, c'est un océan de jersey. Donc, il n'y a pas de problème. Et j'ai avancé un peu. Non, ça, c'est le dos. Il est où mon tricot? Ah, il est là. Viens là. Viens, je te dis, viens avec maman. Hop, voilà. Alors, ça, c'est mon pull fil d'art. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, attendez. Ah, voilà. C'est mon pull fil d'art. Donc là, maintenant, je suis sur le devant, hein, je vous l'avais dit. Et donc, j'ai avancé un peu ici. Voilà. Hop. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Là, j'ai fait 8 rangs. Voilà. Bon, celui-là, il va bien monter, hein. Là, c'est parce que je vous dis, cette semaine, j'ai pas été beaucoup dessus. Mais voilà. Et donc là, c'est pareil. C'est une mare océan. Un Sahara de Jersey. Mais bon. Arrivé ici, il y a un petit plastron à faire. Donc ça va me changer. J'espère y arriver parce que c'est des trou-trous, je vous l'avais expliqué. Et moi, les trou-trous, on n'est pas trop copains. Mais là, bon, c'est un motif assez simple. Donc ça devrait le faire. Et puis j'aurais bien aussi le terminer. Hein. Bon, là, le dos est fait. Hein. Donc, j'aurais bien que tout ça soit terminé avant l'hiver, avant la fin de l'hiver, si possible, pour que je puisse les mettre. Et que je puisse toujours arriver à les mettre hein, parce que là j'ai fait de la taille XL mais je continue à prendre du poids ça commence à me gaver aussi pourtant j'ai pas l'impression de manger comme une vache. Que déjà on fait qu'un seul repas par jour l'après-midi je me avant de temps en temps je me fais une tartine mais sinon je me mange un yaourt l'après-midi voilà mais donc je voudrais quand même que les pulls maillent encore une fois qu'ils seront finis donc voilà. Ben voilà ce que j'ai fait donc en tricot crochet. Là, j'ai pas vraiment beaucoup avancé, mais je vais essayer de faire ça cette semaine, d'alterner broderie, tricot, pour reposer au mieux mes yeux. Voilà. Alors, la semaine prochaine, il va y avoir du nouveau, bien sûr. Je vous l'ai dit. Alors, la semaine prochaine, on attaquera. On sera quoi? Fin février, et puis on va attaquer le mois de mars. Le mois de mars, on le démarrera vendredi. Et donc, vendredi, je commence donc le nouveau sale que j'organise sur mon groupe avec la broderie de Sabine, poussière d'étoile, le colibri. Donc ça commence vendredi. Donc ça va se rajouter à mes broderies. Hein. Oui, je sais, j'en avais pas assez. Donc voilà. Et il y a un nouveau sale qui commencera. Alors je croyais que c'était au mois de mars. J'en fais tellement. Je dois m'occuper de tellement de choses en plus que des fois là-dedans, ça se mélange. Ça fait un peu fromage blanc. Je pensais qu'il commençait aussi au mois de mars, mais non, il commence le 1er avril. C'est
le sale des ours de Noël de Old Forest. Voilà. Donc celui-là, ce sera le 1er avril. J'ai encore le temps. Mais tout est prêt. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Ben, comme d'habitude, hein. Avancer le dragon, ma grenouille. Là, je vais me mettre sur ma grenouille. Mes ronds de la Narthe. Les pans royaux. Voilà. Alors, le Old Forest de Julia, je vais attendre la semaine d'après pour le faire. Ma maison météo, bien sûr. Le sale mystère, je voudrais bien terminer au moins la 4e étape. Je vais essayer de la terminer. On va voir. Le Alice au Pays des Merveilles, non. Je commencerai la semaine prochaine également. Enfin, je recommencerai la nouvelle étape. Hein. Finir l'étape 1 de... L'étape 1, non, l'étape 2 du sale du Nouvel An. Voilà. Et pareil, je commencerai l'étape 3 la semaine d'après. Il va y avoir beaucoup de choses la semaine d'après, tiens. ensuite, ici, cette semaine, avancer mon Bouddha. Mon jus de carotte, le feuillage, hein, essayer de pas d'arriver au bout parce que je n'arriverai pas à le finir cette semaine, mais d'essayer d'avancer, de bien avancer. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Oui, mon toast à l'œuf, si j'arrive à le glisser entre deux. Mon toast à l'œuf. Du coup, je vais commencer aussi, mais ça, je commencerai vendredi, le colibri. Voilà. Et le steampunk, je vais essayer de le commencer et je vais essayer de commencer comme je vous ai dit. Je vais sortir la deuxième couleur peut-être que j'aurai besoin pour la commencer. Voilà. Elle, je vais la faire sur une toile Ezikunt, l'étamine, hein, que je vous ai présentée, que j'avais eu chez de mère en fille. Comme ça, celle-là, elle est déjà quadrillée. Ça ira beaucoup mieux. De toute façon, là, celle-là de gris, j'ai su la mettre sur mon steampunk. Oh là, je suis fatiguée. Sur mon pattern keeper, donc ça devrait aller. Ben, niveau broderie, je crois que j'ai fait le tour. Oui, terminer ma fleur, ma tulipe. Mais ça, je vais essayer de la finir demain. Comme ça, je serai tranquille. Et la semaine d'après, on attaquera la 5e. Voilà, à partir de la semaine prochaine. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Oui, la maison météo. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. La maison météo. Voilà. Bah écoutez, c'est déjà un beau programme. Plus le tricot. Et plus mes couvertures météo. Ça y est, j'en ai deux qui veulent aller faire pays. Regarde, t'as tout retourné, ton dodo. Vous avez tout retourné. 5 minutes. Maman, elle a bientôt terminé. Vous attendez 5 minutes? Oui. Voilà, c'est bien. donc, voilà. Bah, écoutez, la vidéo aurait été un petit peu moins longue aujourd'hui. J'en suis désolée. Je me rattraperai la semaine prochaine. Je vous ferai quelque chose de bien long. je vous rappelle que vous avez pu voir que je vous ai mis des chapitres hein, maintenant, comme ça, si vous n'aimez pas le tricot, ou si vous ne voulez pas regarder le diamond painting, etc., bah, vous pouvez aller directement sur le chapitre qui vous plaît. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude. J'ai pas répondu à tout le monde là, cette semaine, je suis désolée. Je sais plus pourquoi j'ai manqué de temps aussi cette semaine, mais bon. Ah oui, Chouchou avait une visite à l'hôpital, donc ça nous a pris du temps lundi. Et
après, elle a été revoir le médecin traitant dans la semaine. Voilà. Ouais, donc cette semaine, il y a eu. Et puis moi aussi, j'avais été voir le médecin pour mon ordonnance. Donc, ouais, voilà pourquoi j'ai manqué de temps. Mais bon. Donc, laissez-moi des commentaires, des petits pouces également. Voilà. Alors, on m'avait dit que souvent, bon, vous regardiez sur la télé, comme, bah, comme moi, hein, je regarde sur la télé. Mais même sur la télé, vous avez possibilité de mettre des pouces. Voilà, avec votre télécommande, avec les flèches, suivant chez, je sais pas chez quelle box vous êtes, mais avec les flèches, vous remontez, vous regardez la vidéo, vous appuyez sur la flèche du haut, ce qui fait que vous allez avoir le titre de la vidéo, etc. Et quand vous êtes là, après, avec votre flèche à droite, vous, vous avancez jusqu'à ce que vous voyez un pouce. Et là, après, vous cliquez sur « OK ». Et vous pouvez me mettre un pouce, même en regardant sur la télé. Voilà. Si jamais il y en a certaines d'entre vous qui ne savaient pas. Bon, on dira, moi, je ne l'ai pas su tout de suite non plus. Hein, mais voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite une excellente semaine. Bon courage à ceux qui travaillent. Profitez bien pour ceux qui sont encore en vacances. Si vous êtes à la neige, n'allez pas vous casser une jambe. Hein. Bon, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de neige cette année. Mais bon, profitez bien et faites bien attention à vous surtout. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Ah, un petit plus, et puis je m'en vais. Je ne sais pas si lundi, il y aura des unboxings, des vidéos lundi, c'est unboxing, car je n'ai reçu aucun colis cette semaine. C'est nouvel an chinois, en Chine, voilà. Donc, les boutiques marchent au ralenti et les colis arrivent à pied. Donc, je ne sais pas si lundi, comme je n'ai pas eu de colis, normalement, je ne pourrais pas vous faire de vidéo unboxing lundi. Mais c'est pas grave. Voilà. Allez, maintenant je vous laisse. Bisous, bisous. À bientôt.